Ok, j'y suis. Je vois. La camionnette. Trouve-la. Ouais. C'est quoi là ? On restait discret et observé. C'était ça ton boulot, pas les buter. Tard. Ils savent que je suis là maintenant. Dépêche-toi, trouve la camionnette. Thank you.
enculé! On se fait niquer, putain! C'est la triomphe centrale. On cherche la camionnette. Achève-les, mais discrètement. C'est bon, je vois la camionnette. On se fait niquer, putain ! Mettez-le en pièce !
dire ce que j'ai sous les yeux? La carte du flux de données de Pacifica, il traque à Goué. Qui ça, il? Netwatch. Il cherche toujours à nous éradiquer. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Des forteresses de données internes. S'ils brisent notre glace, ils détruiront à Goué tout le net. On reviendra à l'âge sombre de Partmos. Et c'est sérieux? Je sais pas quelle quantité de données ils ont extraites, mais leur carte est incomplète. Ils ont pas encore validé la source. Bon, je fais quoi maintenant? Tu dois atteindre l'agent, ça devrait être facile. Regarde sur la carte, il est dans le cinéma. Abandonnez, ce n'est pas votre combat. Merde! Quoi? Placide, quoi? On est coupé, il nous chasse. Le Netrunner sait que tu es là, traque-le. Ok. Et je fais quoi quand je l'ai trouvé? Je te le dirai. L'agent essaie de couper ta liaison. Il y a une porte derrière la camionnette. Attends, je vais l'ouvrir. Ouais, je me branche sur notre ami.
Hey, V, ça va? Donne-moi une seconde. T'avais la même gueule que lui il y a une seconde. Merci. Je t'ai rien demandé. Ah, il s'est passé quoi? À ton avis, les voodoos t'ont enfumé, tu t'es fait rouler. Tu leur as servi de putain de drone kamikaze. On dirait que c'est tout ce que t'as gagné à les aider. C'est peut-être Netwatch qui a essayé de me refroidir. Les VDB doivent même pas savoir que je suis en vie. Ouais, dans ce cas, Placide va sauter de joie et te prendre dans ses bras en te voyant débarquer. Allez, direction le bâtisse, histoire de demander des comptes. Ce connard de Taiseux, j'espère qu'il aime les surprises. Oh, fuck! Lee vivant! Tu veux parler à Placide? C'est ça que tu veux? Parce que je peux t'emmener. Je vais me débrouiller. Ok, très bien. D'après le son de ta voix, ça s'est bien passé? Tout est en place. Je t'envoie les coordonnées. Rejoins-moi aussi vite que possible.
C'est un contre. Ah. On revient pas dessus. Mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Toujours à Pacifica, non ? Déjà. Oh fuck! Lit vivant! Tu veux parler à Placide? C'est ça que tu veux? Parce que je peux t'emmener. Je vais me débrouiller. Ok, très bien. Ça suffit maintenant. T'as piché ? Fais. J'ai terminé mes repérages. D'après le son de ta voix, ça s'est bien passé ? Tout est en place. Je t'envoie les coordonnées. Rejoins-moi aussi vite que possible.
pas rêvé ça. Elle est trop loin. Un contrat, c'est un contrat. Excellent timing. Alors, quoi de neuf? Je pense qu'on peut s'y mettre. Le complexe est bien gardé. Mais on devrait s'en sortir. Les chars sont dans l'entrepôt principal. Ta tâche va être simple. Tu dois juste entrer. Ah, comment? Aussi discrètement que possible. Mais c'est toi, le voleur. Je vais me fier à tes talents. Une fois dedans, tu localiseras le plus grand char. Et tu infecteras son système. Et toi, tu seras où? Je vais faire diversion. Ils ne doivent pas découvrir nos projets. Tu sais ce qu'Arasaka dit... Daikon Lanza. Je reste à l'écoute.
Ça me plaît pas, ça. Le char est à nous. Tu pourras voler avec jusqu'à Tokyo si ça te dit. Oui, pourquoi pas. Bon travail. Très bien. À mon tour. Tu as vu, c'est le chaos total. Même le toit commence à... Allez, le toit. C'est ta porte de sortie.
Il y a des bâtiments plus petits tout autour. Certains pour redescendre. Hé, dépêche-toi! Il y a une navette à l'ascenseur là-bas! Allez, on fonce! Putain, ça a marché! Excellent travail, V. Ok, et maintenant? Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennuis. Oh, je suis plus à ça près, tu sais. Donc, vous pouvez jeter un œil à mon chrome? Bien sûr. Je vous en prie, installez-vous.
Vous avez vraiment zéro implant? C'est un peu comme un dentiste qui aurait pas de dents, non? J'ai une bonne réputation. Personne ne s'est jamais plaint.